Bonjour, je me nomme Thierry Robert et je suis bibliothécaire à la Ville de Montréal. Je suis aujourd'hui au Congrès des milieux documentaires 2011 et je participe au bar à lecture spécial bibliothécaire. Et je m'intéresse particulièrement aux jeux en bibliothèque, donc aujourd'hui je vais vous parler de jeux vidéo et jeux de société. Une des premières choses que je voudrais montrer, c'est que les jeux s'adressent à plusieurs catégories d'âge. Donc les jeux, ce n'est pas seulement pour les adolescents, les adultes ou les jeunes, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, je vais vous présenter quatre produits, quatre documents qui parlent de mes coups de cœur 2011. En premier, je vais commencer avec des jeux vidéo. Donc, le premier jeu vidéo que je vous montre, c'est Assassin's Creed Brotherhood, le deuxième jeu de la trilogie qui a été fait par Ubisoft Montréal. Un jeu qui est fait à Montréal et qui est d'une grande valeur artistique. C'est une reconstitution de la ville de Rome à la Renaissance. Donc vraiment un travail extraordinaire au niveau de l'architecture et des historiens. Donc on peut se replonger dans l'univers et vraiment vivre des aventures qui ont un cachet vraiment fort au niveau de l'histoire et de l'artistique. Je pense que ça se dit. Deuxième élément. Eidos Montréal a fait le jeu 2X Human Revolution, qui est sorti cette année et qui a eu vraiment des bonnes critiques et des bonnes ventes. C'est un excellent jeu qui est cyberpunk, mais ce qui est vraiment intéressant dans 2X, à part qu'il a été fait à Montréal, c'est qu'il réincarne Montréal, il réinterprète Montréal dans le futur cyberpunk. Donc on peut voir le stade olympique avec d'autres éléments de Montréal qui sont réimaginés dans un futur pas si lointain. Donc il y a vraiment une appropriation de la ville par la compagnie qui a décidé d'en faire d'une nouvelle manière. Sinon, on retrouve deux autres jeux de société qui sont plus adressés aux enfants. Comme par exemple ici, on va avoir Coloretto. Coloretto, c'est un excellent jeu pour les jeunes de 8 ans et plus. Donc, c'est un jeu qui est destiné à apprendre un peu comment fonctionnent les jeux de cartes, mais vraiment pour les plus jeunes. Et pourquoi j'en parle, c'est aussi parce qu'hier, on a vraiment trippé en bibliothécaire. On a joué pendant 2 heures. On s'est intéressé à savoir jusqu'à où pouvait aller le jeu. Puis on a vraiment, là, c'est vraiment un excellent jeu de cartes qui a été recommandé par plusieurs grandes personnes. Je peux vous montrer rapidement, c'est seulement des cartes comme ceci. Donc vous voyez, c'est très très simple au niveau de l'apprentissage des règles. Ça se joue en 5 minutes et c'est pour tous les âges. Sinon, un autre jeu très éducatif et très intéressant, c'est Timeline. Un excellent jeu qui est sorti cette année et qui est recommandé au niveau de l'éducation, mais aussi du divertissement. Donc, c'est très simple, il y a des cartes à l'intérieur du jeu qui ont des dates et de l'autre côté qui n'ont pas de date. Et donc, désolé de cette petite interlude. Joie du direct. Donc, le timeline ici, c'est des cartes que d'un côté, il y a la date, l'autre côté, il n'a pas la date. Et donc, il faut juste les mettre en relation un vis-à-vis les autres. Donc, ça permet de reconstituer une ligne du temps au centre des joueurs. Vraiment intéressant, vraiment éducatif.